sondi na bola mwa nzambe a dekora vinanga na bolingo na ye a pangusanga ba pisolo na pangusaka sezonga kakaka ye. Shalom à tous. Seigneur le bénisse. Nous devons apprendre la question. Nous devons d'abord lui rendre grâce, souligner les morceaux qu'on donne dans les matins. Le don le plus précieux, c'est celui de la vie. Il nous a permis que nous soyons en bonne santé et que nous puissions nous trouver là ce matin. Nous allons à Colombo, nous et à nous autres, Pétro Koutanès. Que l'honneur et la gloire nous reviennent. Le Koumou, Pekembo. Pleinement et totalement. Et son Gabi, son Robéle Painaï. Je dis merci à mon père, le prophète Léopold. Matondi et Paina Tatawanga et Moussakoli Mbako. Qui nous donne encore une fois de plus cette responsabilité. Oyo, Apesika, et sur son Koumba, Natango Alelo. Et partager la parole de Dieu au peuple. Ce n'est pas un mérite, plus une responsabilité, mais aussi une confiance de sa part à notre personne. Nous allons continuer sur cette série d'enseignements. Donc, au Copa, dans le Lengue Malakisi, il est lancé depuis le début. Oyo, et Batina Kobanda Outa, et ce mois, il y a Sanza Eye. Le mois qui est placé, Sanza Eye, tiens, sous le thème, na Maman Likambo, puissance, pouvoir et domination. Mouyam, Pipo, Pebo Konji. Et nous allons continuer avec notre série d'enseignements que nous avions déjà lancée. Et le sous-thème que nous aborderons ce matin, la marche dans la puissance. Ou marcher dans la puissance. Vous savez une chose, c'est que tout ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre, le Seigneur au ciel en est le maître. Et nous, enfants de Dieu, nous qui avons cru, nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, nous qui lui faisons confiance, nous qui nous appuyons sur lui, nous ne venons pas pour inaugurer des choses nouvelles, mais nous venons vivre la continuité de la perfection de ce qu'il a accompli. Alléluia. Amen. Je vais alors faire une petite prière. Seigneur, Père Dieu de grâce, Dieu de fidélité, Dieu de faveur, Seigneur de puissance, merci Seigneur pour le don de l'Esprit, merci pour la présence de, de ton Esprit dans l'Église, merci Seigneur pour le mandat, pour le revêtement, pour le manteau que tu as laissé à l'église. Oh, j'aime cette histoire. Elle dit alors que Élie le prophète devait enlever, il dit à son serviteur, lorsque tu me verras enlevé avec toi, si tu me vois alors que je monterai, alors ce que tu as demandé, ce te sera accordé. Oh Jésus, j'aime la corrélation. Car la Bible dit, alors tu parles aux disciples, tu leur dis, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai l'Esprit. Alléluia. Amen. D'ici peu de temps, restez ici, restez
à Jérusalem. En d'autres termes, restez dans les enseignements que je vous ai donnés. En d'autres termes, restez vous appuyant sur la doctrine que je vous ai enseignée. Restez fermement confiant. Ayez la foi aux enseignements que je vous ai donnés. Croyez en ce que je dis. Car d'ici peu de temps, viendra sur vous l'Esprit. Viendra sur vous les revêtements. Viendra sur vous la puissance. Alors vous serez. Alors vous deviendrez. Cela ne dépend pas de la force de l'homme. Cela ne dépend pas de l'intelligence. Cela ne dépend pas des formations. Cela ne dépend pas de temps de jeûne et de prière. Premièrement, Seigneur, l'accomplissement de la promesse. Je prie, Seigneur, ce matin, par tes compassions éternelles, visite ton église. Réveille, Seigneur, mon frère. Réveille, Seigneur, ma soeur. Équipe ton peuple. Équipe ton église. Le Seigneur Père, que ton accomplissement de la promesse, le Saint-Esprit dans l'église, prenne vie, prenne place, prenne mouvement, s'impose ce matin dans cette assemblée. Dans le nom précieux de Jésus, nous te lévons, Seigneur. Jésus reçoit la première place. Règne au-dessus de tout. Règne au-dessus de tout. Viens habiter nos cœurs et accomplir ta volonté parfaitement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si nous pouvons acclamer la gloire du Seigneur. Puissance, pouvoir, domination spirituelle. Et comme nous l'avons dit, notre soutien, marcher dans la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte que nous avions déjà lu dans le livre de Marc. Marc chapitre 16. Nous allons lire quelques petits versets. Marc 16, et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Les versions second, je venais de lire dans la version Darby, second dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et j'aime cette dernière version. J'aimerais que tu soulignes. Il dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront un nouveau langage. Pas seulement de nouvelles langues. Parce qu'ils parleront un nouveau langage. Dans le langage, c'est plus vaste. Car le langage n'est pas toujours fonctionnel des paroles. Verset 18. Ils manieront des serpents et les poisons ne pourront rien
leur faire comme tort. Ils imposeront les mains à des malades et ils guériront. Deuxième verset. Ils prendront des serpents et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Amen. Alléluia. Amen. Marchez dans la puissance. Je me lève pour poser les bases. Allez d'abord avec quelques principes définitionnels. Qu'est-ce que la puissance? La puissance vient du terme Euti na elopelo grec n'angeleka dunamis. Alléluia. Amen. Dunamis qui veut dire oyelingi koloba force makas, qui peut aussi dire oyekoki koloba lisusu pouvoir mpifo, qui peut aussi dire oyekoki koloba lisusu capacité ou talent makoki tope koyeba. Qui peut aussi être établi comme compétence. Le pouvoir ou la capacité de faire quelque chose. Le dynamis, c'est ce qui rend capable. C'est ce qui donne l'accès. Ce qui donne la potentialité de pouvoir accomplir une fonction, une tâche ou un ouvrage. Dynamis est aussi traduit comme pouvoir et influence qui peut être subsidiaire à une puissance matérielle et financière. Comme on dit, c'est comme ça que l'on s'est traduit le terme qu'on dit Isaac devint riche. Cet homme puissant. Il a reçu un pouvoir, une potentialité qui était la conséquence du niveau qu'il avait atteint dans la sphère des hommes. Une puissance que les hommes reconnaissent. Une puissance que les contemporains octroient. Mais dynamis peut aussi être traduit comme les moyens provenant d'un grand nombre. L'effectif pouvoir reposant sur la multitude d'une armée. Dans le contexte de l'Antiquité, du Moyen-Âge, si on peut le dire, qui voit la Bible, on parlait de la puissance militaire. Et dans la puissance militaire, même jusqu'aujourd'hui, on peut le dire, on voit l'effectif d'une armée. On voit la qualité des fantassins et des soldats de l'armée et d'officiers. On voit aussi l'armement dont l'armée dispose. D'où la puissance,
ne se résume pas seulement à déclarer à qui. Il y a des éléments qui doivent accompagner à tester la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des signes. Il y a des œuvres qui doivent accompagner celui que l'on dit être puissant. Cet homme puissant. On en a connu dans ce pays des gens dont le nom faisait peur. Nous connaissons tous ici trafic d'influence. Celui qui a atteint une certaine sphère, celui qui a certaines connexions élevées, il s'associe, il devient assimilé et il peut imposer sa puissance. Il peut imposer son autorité. Alléluia. Amen. Toujours dans le contexte de l'église missionnaire, la puissance va de pair avec le pouvoir. Dans le contexte biblique, on s'associe les deux. Alléluia. Amen. Lorsque l'on parle de puissance, la puissance octroie le pouvoir. La puissance engendre un pouvoir. Et nous l'avons dit dimanche, le mot qui traduit pouvoir, c'est exousia. Il renferme en lui l'autorité, la supériorité. L'autorité, la supériorité et la gouvernance. C'est lui qui a le pouvoir. C'est celui qui est revêtu d'autorité. En d'autres termes, c'est lui qui doit être respecté. C'est celui qui est considéré comme étant au-dessus. La supériorité. Et mais c'est aussi celui qui a la gouvernance. Car c'est celui qui peut donner des ordres et diriger. Il peut influencer les choses. Il peut malayer les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la parole de la Bible dit que le monde et monde parce que la main de Dieu a façonné la terre, a façonné le monde. En d'autres termes, la création est une conséquence de la main de Dieu. Ce terme-là aussi peut être traduit que c'est une manifestation du pouvoir et de la puissance. Alléluia. Amen. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui exerce un certain contrôle. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui peut édicter les nouvelles lois. Nous avons dit dimanche que l'exousia faisait aussi connotation à ce que nous appelons aujourd'hui le pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Donc lorsque l'on parlait du pouvoir, quand Christ dit à l'église, mais là il parlait d'abord aux apôtres, mais c'est l'église. Quand il leur dit
Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai établi comme législateur, comme autorité juridictionnelle, pour que vous puissiez être capable de dicter les lois, mais aussi d'exercer des jugements. Alléluia. Amen. Donc Christ avait placé le pouvoir de tout cette, de toute la terre, de tout ce monde entre la main de l'Église. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, Christ a triomphé du monde. Donc il a dominé le monde. Il s'est placé supérieur et autorité sur le monde. Et après avoir récupéré ce pouvoir, il le donne à l'Église. J'ouvre une parenthèse que je ferme directement. Genèse. Dieu dit, je donne l'autorité à l'homme sur toute la création. En d'autres termes, sur toutes les œuvres de mes mains. Genèse 3. L'homme s'est fait usurper sa position. En d'autres termes, il perd le contrôle, l'autorité, il perd l'exousia. Donc, la capacité législative, mais aussi la capacité juridictionnelle de rendre les décisions qui ont été usurpées par l'ennemi. Comme je l'ai toujours dit, pas l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'homme. Parce que le diable est appelé adversaire. En d'autres termes, on l'appelle aussi accusateur. Parce que lui, il n'est pas l'égal de Dieu. Il cherche à combattre l'homme. Parce que Dieu avait placé son image. Alléluia. Amen. C'est une parenthèse qui doit être refermée rapidement. Donc l'exousia est le signe de l'autorité de l'Église sur le monde. Le contexte biblique parlant d'exousia ouvre une autre déclinaison en parlant du pouvoir de l'homme sur la femme dans la maison. Dieu a placé l'homme comme maître de la maison. Je préfère la corrélation. Christ a placé l'Église comme maîtresse de toute la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'Église est au-dessus du monde. Le chrétien est au-dessus de tous les défis. Voilà pourquoi Marc a commencé par dire ceci. Voici les miracles qui accompagneront. Alléluia. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Les miracles doivent faire quoi? Les signes doivent faire quoi? Doivent converger. Aller dans la même direction. S'attacher. Servir celui qui a cru au nom de Jésus. Il a dit, ceux qui ont cru se verront
être accompagné par le signe et par le miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'où je leur ai dit ceci. Le mot qui traduit accompagné, l'idée c'est faire suivre de près. Pas de manière éloignée. Celui qui a cru au nom de Jésus doit être accompagné de près par le signe, par le miracle, par le surnaturel. En d'autres termes, les miracles ne doivent pas être des choses rares. Les signes ne doivent pas être des choses rares. Mais ça doit être des choses que l'on doit voir puisque tu as cru. Alléluia. Amen. Le fait seulement de croire doit amener des signes autour de toi. Restons littéral. On ne dit pas directement d'entrée des jeux. Les signes qui accompagneront ceux qui vont prier. Les miracles qui doivent accompagner ceux qui auront jeûné. Je fais une parenthèse, je dis. Pas contre la prière. Pas contre les jeûnes. Mais je voudrais que nous puissions rester scripturés. Qui accompagneront ceux qui auront cru. L'élément primordial, c'est la foi. Pour vivre des miracles, pour attester des signes, la première chose que l'Église doit avoir, c'est la foi. Christ a dit, si votre foi est comme un grain de moutarde, quelque chose des très infimes. Le grain de moutarde est tellement mince. Je peux le dire, un grain de sable. Mais on dit, si ta foi est aussi infime, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu crois, élément qui veut dire si tu vois que ce que tu dis est en train de s'accomplir, plutôt est en train d'arriver, c'est alors que tu vivras son accomplissement. La foi, ce n'est pas seulement le fait de déclarer. J'aimerais que tu entends cette parole. La foi ne se résume pas au fait de déclarer. La foi, c'est aussi voir l'accomplissement de ce que l'on vient de sortir dans la déclaration. Dimanche, on a parlé, on a dit ceci. Quand les disciples revinrent du champ de l'évangélisation, ils ont rencontré au Seigneur les merveilles qu'ils ont vécues sur le champ. Mais la première chose que le Seigneur leur dit, quand vous alliez, je voyais le diable tomber. La première chose, c'est d'abord voir l'accomplissement avant de pouvoir manifester les œuvres. Ce qui fait que l'Église
Nous ne marchons pas dans la puissance réelle. Nous ne vivons pas les bénéfices de l'autorité. C'est pas seulement l'église, excusez-moi, aujourd'hui il n'y a pas de foi. L'église a beaucoup de connaissances. Quelquefois. Mais l'église n'a pas beaucoup de foi. On est devenu trop raisonnable, trop réfléchi, trop dans les calculs. Aristocratie et tout ce qui vient défier les réalités naturelles. Est mise à côté comme c'était une étoffe. Lorsque les vents a soufflé dans la barque, les disciples ont crié. Lorsque le Seigneur se lève, il se fâche contre les disciples. Et c'est après qu'il donne des ordres au vent. Pourquoi il le fait? Parce que le Seigneur attendez que les disciples comprennent qu'ils avaient de l'autorité et qu'ils pouvaient parler au vent. Alléluia. Ignorance. Le vent soufflera dans ta vie. Je t'ai béni par des vents. Je l'ai dit, je t'ai béni par Dieu. Pour te rassurer, c'est le chemin de Dieu. Les vents souffleront. Tout ce qui compte, c'est l'attitude que l'on a devant les vents. C'est là la différence. Le chemin de démarcation commence dans ce que l'on voit dans les vents. Et dans ce que l'on voit avec Dieu. Et dans ce que l'on déclare. Quand Christ parle au vent. Les vents s'éteignent. Lorsqu'il se retourne, il leur dit, où est donc votre foi? Où est donc votre foi? En d'autres termes, ce matin-là, dans la nuit au petit matin, Christ s'est rendu compte que dans la barque, à part lui, il n'y avait pas de foi. Alléluia. Amen. Église, il faudra que nous puissions quitter cette étape où on est fort dans l'écrit, où on est fort dans les déclarations. Atteindre cette dimension où on est fort en esprit et dans la foi. Alléluia. Il dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La Bible ne dit pas la montagne se jettera directement dans la mer. Sans autre forme de procès. Mais la Bible dit, s'il voit dans son esprit, s'il voit que ce qu'il dit marche vers l'accomplissement, alors cela deviendra une réalité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les signes du limbo. Première chose, doivent accompagner ceux qui ont la foi et les suivre de près. Suivre exactement ceux qui ont manifesté la foi. Suivre. Utiliser ici est aussi
servir quelqu'un où qu'il aille. C'est le terme qui était adjoint au serviteur de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était suivi par son serviteur. Dans le contexte de l'Antiquité. Donc le terme ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont. Voici les signes surnaturels. Voici les prodiges qui vont servir au dessein de celui qui aura manifesté la foi. Donc les miracles et les prodiges, les signes sont des serviteurs que le Seigneur a envoyé pour accompagner le chrétien dans sa marche sur la terre, en fait d'imposer la dimension de l'église. Et ça nous mais alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les miracles. Mais comment? Il ne faut pas aller dans les loges. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs. Le nom Bassali en tant que bébé. Pseudo serviteurs, excusez-moi. Oui, c'est ça des mots à employer. Ils sont sur des chaînes. Ils sont suivis par des multitudes. Mais ils travaillent avec la puissance de Simon le magicien. Ils accomplissent des choses. Et les gens peuvent dire c'est la grande, c'est la puissance. Mais il est allé quelque part. On lui a donné certaines choses. Il a des principes qu'il utilise. Ils ne sont pas ceux de Dieu. Pour épater. Mais dans le fond, il n'y a pas de substance. Quand c'est Dieu qui opère, on n'a pas besoin de crier à la télé. Quand c'est Dieu qui opère, on n'a pas besoin d'en faire marchandise. Les gens verront et les gens diront, ici on a vu le doigt de Dieu. Alléluia. Quand je suis à la télé, des fois, non seulement que je suis triste, mais je ne comprends pas comment les gens peuvent se laisser avoir jusqu'à ce moment. Un aveugle, mon couple, on prie. Il recouvre la vue. Dès qu'il recouvre la vue, devant lui il y avait les pasteurs. Devant lui il y avait l'interprète. Il a reconnu qui était le pasteur. Sans qu'il ait parlé. Devant elle le pasteur. Il n'a jamais vu. Il reconnaît directement qui est sa sœur. Tu ne voyais pas. Sans qu'ils aient parlé. Dès qu'il a ouvert les yeux, soi-disant en fait, il a déjà vu. Et ils sont à la télé. Et ils parlent aux gens avec des numéros de téléphone. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Si tu comprends les bénéfices de l'église, tu ne courras plus derrière les miracles. Parce qu'en fait, les miracles te servent chaque jour. Je les répète. Quand tu comprendras les bénéfices que Christ attache à la foi, que Christ attache à la vie chrétienne, les bénéfices que Christ a placés dans l'église, tu ne pourras plus derrière un pseudo-tel
pour chercher un miracle. Parce qu'au fait, les miracles et les signes, les prodiges sont des serviteurs qui te suivent fidèlement tous les jours de ta vie. Amen. Quand tu ne vois pas une chose arriver parce que tu l'as demandé, ne pense pas que tu es incapable ou que ton Dieu soit incapable. Dans ce que Dieu fait, il y a aussi les chronos, il y a aussi les kairos. Il y a le temps des hommes de la terre, mais il y a le temps précis de Dieu pour un accomplissement. Les hommes le disent. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Dieu n'est jamais en retard. Je dis, Dieu n'est jamais en retard. Mais il peut arriver qu'il soit en avance. Quand il cherche à faire du bien, il peut modifier. Mais Dieu n'est jamais en retard. Parce que Christ dit au nom de Canaan, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais puisque c'était de l'avantage qu'il voulait accorder, il a compris le miracle. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, quand les temps furent accomplis, Jésus naquit. Jésus-Christ a botamaki. Il n'y a pas de retard. Il accomplit les choses selon les desseins éternels de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles tu dois arrêter de prier. Parce que Dieu a déjà exaucé. Tu n'as pas encore atteint la dimension de la foi qui doit t'amener à t'en approprier. Quand tu pries, tu demandes à un Dieu spirituel, t'attendant à ce qui est matériel. Mais puisqu'il est spirituel, quand il libère, les bénédictions spirituelles. Car la Bible dit, nous sommes bénis. Mais toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes, donc tout ce qui peut être cité comme bénédiction en Dieu, nous en avons déjà. Mais pour le vivre sur la terre, en tant que la matérialité ou matérialisation est fonction de la dimension de la foi qui t'amène à transférer ce qui est spirituel, à devenir matériel. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront Christ dit, ils boiront des breuvages mortels. Excusez-moi, ce n'est pas un défi. Non, si il leur arrive, c'est ça la réponse. Si il leur arrivait de prendre du poisson, c'est la pensée qui est traduite. De prendre du poisson. Donc si il leur arrivait de prendre du poisson, le poisson n'aura aucun effet. Parce qu'en eux, ils ont une provision, un antivenin qui doit les accompagner. Même si tu n'as pas prié, mais s'il y a eu un complot avec l'objectif de ton nuit en toi, tu te déplaces avec un antidote de Dieu qui garantira ta vie. Une autre pensée qui dit, toujours par rapport à lorsqu'il a, il arriverait qu'il prenne quelque chose de mauvais ou de mortel, voit l'âme de l'homme
En d'autres temps, quand il dit, lorsqu'il arrivera de boire un breuvage mortel, un autre développement dit ceci. Quand il arrivera que leur âme, ce qui est le siège de sentiment de l'homme, lorsqu'il arrivera que leur cœur soit affecté par quelque chose qui semblerait à être fait, quelque chose qui semblerait à nuire à la parole, quelque chose qui viendrait comme pour déformer ce sur quoi ils ont placé leur appui. La Bible dit, rien de mal ne leur arrivera, parce que le Seigneur lui-même verra ce que le poison n'ait aucun effet. Je vais te dire une chose. Les pressions de la vie peuvent venir. Les pressions, les difficultés, les vents, le souffle. Mais cela ne sera jamais plus fort que toi. Parce que Dieu qui est en toi, celui en qui tu as cru, qui a dit, les miracles doivent marcher tous les jours de ta vie. En d'autres termes, celui sur qui tu t'es appuyé verra qu'aucune espèce de poisson, aucune espèce de breuvage de ténèbres ne soit à même d'affecter ou déranger la foi qui est en toi. Le combat du chrétien se résout à cette dimension où dans son cœur, c'est la parole de Dieu qui doit primer. Dans son cœur, c'est la vérité de la parole de Dieu qui doit être première. Pas les soucis, pas les défis, pas les incapacités, pas les infirmités. Car la Bible dit, ils pourront saisir les serpents, ils pourront soulever les serpents, ils pourront déloger ce qui est nuisible. Ils pourront imposer leurs mains à ce qui était imparfait, pour que ce qui était imparfait revêtent la forme de la perfection. C'est pour ça qu'il dit, lorsqu'ils imposeraient les mains aux malades, les malades seront guéris. Ceux qui croient s'appuient sur la réalité de Christ. Ceux qui croient sont transportés dans le royaume de Christ. Ceux qui croient marchent dans la dimension de Christ lui-même, dans la dimension du parfait. Voilà pourquoi, lorsqu'ils rencontreront les imperfections, ils auront l'autorité, ils auront la capacité de transformer ce qui est négatif pour que cela soit positif. Tu peux prier 5 minutes, avoir des résultats que tu n'auras jamais reçu quand tu auras prié même pendant un mois. Comme je l'ai dit dimanche, la question n'est pas au nombre de paroles. La question est à la confiance et au positionnement. Alléluia. Amen. La question est à la confiance et au positionnement. Ceux qui sont positionnés en Jésus. Ceux qui sont surnaturels. Surnaturel. Ce matin, je viens annoncer l'ouverture d'un temps de surnaturel dans la vie de quelqu'un au Seigneur. Cela ne dépend pas de ta force. Cela ne dépend pas du temps que tu as placé à l'église. Mais cela est fonction de la confiance que tu mets en ton Dieu et de la foi qui
bouillonne dans ton esprit. Ce que tu verras avec Dieu, ce que tu acteras avec Dieu, tu le verras s'accomplir et t'accompagner. Je suis en train de dire à une personne en ce matin, si les saisons passées ont été caractérisées par des troubles, je viens te dire aujourd'hui que la saison de la consolation existe. La saison de la consolation existe. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. J'annonce à l'église que l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de grâce, l'esprit de Dieu est donné à l'église pour que nous puissions vivre le temps des accomplissements. J'aimerais que nous puissions inclure nos têtes. Je vais prier. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, mais il est temps que ton langage puisse changer. La Bible dit, n'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelle pas limite ce que ce peuple a dit limite. Ne parlez pas d'impossibilité à cause de l'influence de ce qui vous entoure. Car votre Dieu ordonne que vous soyez puissant. C'est un ordre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il a déjà libéré la puissance. Il a libéré l'autorité. Il a libéré le pouvoir. Et il a envoyé des serviteurs surnaturels. Les signes, les miracles qui doivent t'accompagner. J'aimerais que tu lèves ta voix, que tu commences à prier. Est-ce que tu peux lever ta main droite légèrement? La main droite légèrement levée vers le ciel. C'est une matinée d'équipement. C'est une matinée d'équipement. La Bible dit, lorsqu'ils approcheront le mort malade, les malades seront guéris. La main est le signe de créativité de travail. La main, c'est le signe de l'ouvrage et de l'activité. Les signes du travail créateur. Les signes du miracle. Du pouvoir, aussi de la puissance. Dans la main de Dieu, l'invisible et le visible ont été établis. Je prie ce matin que l'équipement de Dieu descende sous ta main. Je dis que l'équipement de Dieu descende sous ta main. Je prie que l'équipement de Dieu descende sous ta main. Je prie que l'équipement de Dieu descende sous ta main. Que là où il n'y avait rien de créé, que la puissance de la création t'accompagne. Que là où il n'y avait rien d'existant, que la puissance de la création t'accompagne. Je te vois créer. Je vois un travail que tu crées. Je vois les opportunités que tu crées. Je vois le surnaturel. Les signes. Les accomplissements. Les miracles. Le prodige. Qui doivent servir pour la gloire de Dieu. Qui doivent enjoliver ta vie. Qui doivent embellir ta vie. Qui doivent donner la couleur à ton existence. Je me réveille que tu lèves ta main. Et que tu pries le Seigneur. Car il y a un revêtement ce matin. Je dis, il y a un revêtement ce matin. Je dis, il y a un revêtement ce matin. Je dis, il y a un revêtement ce matin. Je dis, il y a un revêtement ce matin. Tout ce qui était imparfait, tout ce qui était nonchalant, tout ce qui était, je ne sais pas, tâtonnant dans ta vie, tout ce qui n'était pas stable, tout ce qui était inconstant, je prie le Seigneur, je prie la grâce de Dieu, j'implore la main de Dieu, que la stabilité descende dans ta vie. Je prie que la stabilité descende dans ta vie. Je prie que la constance te soit donnée. Je prie que la constance t'accompagne. La constance t'accompagne. La constance t'accompagne. La progression. La progression. La
progression, la progression. Je prie, Seigneur Père, par la gloire de l'Esprit. Je prie, Seigneur Père, par la gloire de l'Esprit. Je prie, Seigneur, ce matin, que la main de Dieu vienne guérir un malade. Je prie que celui qui était malade soit guéri. Je prie que celui qui n'avait pas de foi reçoive la foi. Je prie que celui qui n'avait pas de foi reçoive la foi. Je prie que celui qui n'avait pas de foi reçoive la foi. Je brise l'incrédulité. Je brise l'incrédulité. Je brise les mauvais raisonnements. Je brise les forteresses que l'ennemi a placées dans les esprits. Je brise les forteresses que l'ennemi a placées dans les cœurs. Je brise le manque d'estime. Je brise le manque de puissance. Je brise le manque d'estime. Je brise le manque de puissance. Que la main de Dieu t'affecte. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu t'affecte. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu t'affecte. Que la main de Dieu te touche. Que la guérison entre dans ton cœur. Que la guérison entre dans ta vie. Que la guérison entre dans ton mariage. Que la guérison entre dans ta famille. Que la guérison entre dans ton foyer. Que la guérison entre dans tes affaires. Que la main de Dieu qui vient briser la perfection. Que la main de Dieu qui vient briser l'infirmité. Que la main de Dieu qui appelle les choses inexistantes à devenir matérielles. Qui appelle les choses inexistantes à devenir réelles. Que la réalité de l'évangile, la puissance de Dieu, la réalité de l'évangile, la puissance de Dieu, la réalité de l'évangile, la puissance de Dieu. Je libère la puissance ce matin. Je prie Dieu qu'il libère la puissance de ta vie. Je prie Dieu qu'il libère la puissance dans ta vie. Je prie pour un revêtement nouveau. 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 Lève ta voix, prie le Seigneur. 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 C'est une matinée de changement. Une matinée de transformation. Il y a des gens qui sont là.